Je suis là. Je pense que beaucoup de fans, ils pensent à moi maintenant, non? Et qu'ils l'aiment à moi. La star confirmée internationale. C'est pas ça? Maintenant, monde, il parle à l'heure là. Je suis en deuil. Oui, je suis en deuil. Mon mari. Monsieur Philippe. Maintenant, et quand mon mari il est vivant, et moi, ma mère elle est morte. Les mères de Monsieur Philippe Deleuze, il est mort. Mais le jour quand sa mère elle est morte, ma mère elle est morte, qu'est-ce qu'on fait? On a ouvert le champagne, on a bu le champagne, on a fumé, on est content, on est heureux avec Monsieur Philippe, mon mari. Les bagues, les photos que j'ai montrées de vous, parce que j'ai perdu mon premier mariage, bague. Mais il y a une base militaire, la Guinée, drapeau rouge, jaune, vert. Et mon mari l'a changé, il m'a donné de l'or, l'amour. Moi, j'ai vécu avec mon mari, on est maintenant, on est 11 ans, les années. On s'est rencontrés Bambako, Bambako. Elle m'a aimé, moi aussi je suis aimée, je suis tombée amoureuse, il m'a tombée amoureuse. Mais tu sais, dans la terre, personne, il est Dieu. Parce que si il est vraiment, il est humain, qu'il est Dieu, je penserai à mon mari, il ne mourra pas devant moi. Je vais faire sauver, je vais battre pour sauver mon monde, mon mari, sur terre. Depuis le début, je parle, mon monde, j'explique des choses. Personne, la terre, elle est Dieu. On mourrait tout le monde. Pourquoi j'ai chanté, on sent quoi? On sent d'animal, on sent d'animaux, on sent des sauvages sur terre. Je parlerai tout le temps. Parce que quelque chose qui arrive pour moi, il est plus costaud, il est plus grand pour moi. Je vais faire tout. Mais je n'arrive pas à sauver. Si je n'ai pas arrivé à sauver ma mère, ma grand-mère, qu'elle m'a fait grandir sur terre, si je n'ai pas arrivé à sauver eux, je ne peux pas sauver mon mari. Jamais. Parce que ce n'est pas moi qui ai le Dieu. La terre, les peuples, le monde international, drapeau rouge, jaune, vert. Je suis battu. Drapeau rouge, jaune, vert sur mon pays, la terre, pour que nous, les peuples guinéens, on va connaître un autre début du monde. Je suis battu. Je suis montré, on a des valeurs. La terre, drapeau rouge, jaune, vert, la Guinée-Conakry. J'ai tout fait pour mon monde, mais je n'ai pas pouvoir le respirer. Qui sur terre? Il n'a pas, il n'insiste pas. Le blanc, le noir. C'est là que j'ai chanté. On sent tous animaux. Parce que moi j'ai compris les finitions sur terre. Je comprends la terre. Quand je respire, comment je mange, comment je fais caca, comment je vais faire, comment je lave, comment j'ai dormi, comment l'eau coulée,
comme le coulé, je regarde la terre, là que j'ai chanté, on est tous animaux, animal. On est quoi? Animaux. Donc les gens, ils n'ont pas compris dans mon message où je voulais arriver. Les humains, la terre, personne n'est sourdue. Parce que si moi je connais quelque chose, le respire, pour sauver quelqu'un, il est mort, je peux sauver mon mari. Monsieur Philippe Deleuze, il n'est pas mort, il est là, devant vous. Mondial, international, drapeau, rose, zone vert. Je suis là. Je suis en deuil. Mais j'ai besoin de parler, mon peuple. Et je suis fière de parler. Rien qui me fait peur. Mon mari, on a enterré samedi. Il est malade. Un jour, vendredi, le matin, il me dit, mon bébé, je suis malade. Il dit, qu'est-ce que tu es malade? Il me dit, j'ai vu le sauge, il n'est pas sur terre. J'ai vu les gens qui ne sont pas sur terre. Ils n'existent pas sur terre. Et quand il me parlait ça, moi j'ai dit directement, mon bébé, il a dit oui. J'ai dit, il faut battre, fronter. Il me dit, carrément maturé, je ne peux rien faire. Je suis la mort. Il dit, je ne sais pas, parce que moi je connais, je suis passé à ça. Il y a certaines des choses qu'on voit, la mort, quand elle arrive, tu ne parles jamais. Qui va parler sur terre? Personne. Mais oui, je suis là devant vous, mon peuple mondial, international. Je suis bâti des années dans mon monde. Je suis amoureux de mon mari, mon monde. Je suis triste, mais si je regarde le fond, je n'ai pas triste. Parce que pourquoi je ne suis pas triste? Parce que je suis tout fait. Vous que je ne peux pas triste sur terre. Homme que j'ai rencontré, mon monde, il a fait tout pour vous que je ne pleure pas, pour vous que je suis fauche. Je suis heureuse, je vais être content. Qu'est-ce que je veux sur terre? C'est là que je suis devant vous aujourd'hui. Qui ne croit pas, mon mari il n'est pas mort. Si, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il est le corps de quelqu'un. Voilà moi, devant vous. Il m'a amouré, il l'a aimé. Moi aussi, je l'aimerais. On a fait des années, 10 ans, 11 ans, 12 ans. D'accord, je suis là, devant vous. Aujourd'hui, je suis allée au cimetière, mon mari, parce que je voulais construire pour lui. Il a gagné tout, sa vie. Il est heureux. C'est ça qu'elle m'a choisi. Il a choisi drapeau rose zone vert. Voilà moi devant vous. Et moi, je suis mal. Je pleure. La terre elle pleure. Le monde pleure. Mais on ne peut rien faire. Soit l'air, horloge, son l'air sur terre, tout ce qu'il a bu, il a mangé, il a fait.
Il a démissionné. Il peut rentrer parce qu'il y a un autre boulot. La terre, sacre personne sur terre. Tu viens, ton message. Tu viens, ton boulot. Si tu travailles de poubelle, tu travailles ton poubelle. Le jour où tu n'as pas de l'eau, boire, il y a une autre eau. Notre terre, tu quittes là et tu pars. C'est notre boulot et il t'attendrait encore. Notre monde, la terre qui on est aujourd'hui, où je suis assis comme ça, je parle. On est venu ici, chaque personne est à son boulot, à son message sur terre. Quand tu as fini ton message, quand tu as fini ton lot, ton nourriture, ta vie, ton respire, si ça finit, tu quittes, tu pars une autre planète, tu pars une autre boulot. La terre, chaque page, page comme université, par exemple, page, tu es de 14 à 16 ans, page, tu es un an, deux ans, trois ans, tu es de ton page, chaque page, tu lis, tu lis, tu lis, le jour qu'il est fini, tu pars. D'accord, moi, je pleure? Non. Je ne pleure pas. C'est l'amour. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas aujourd'hui. Les femmes, et qui l'aiment à moi, m'attourer, elles pleurent aujourd'hui. Je ne pleure pas avec eux. Je pleure moi. Seul. Avec mon amour, il est avec moi. Où j'assis comme ça, il est là. Mais vous ne regardez, vous ne voyez pas, mais il est là, à côté de moi. Il écoute, il sait comment. Je suis venu dans mon pays, drapeau rouge zone vert, la Guinée-Conakry. Mon mari, il est né à Congo. Son père, il est belge. Sa mère, il est belge. Sa famille, il y a les frères, il y a les sœurs. Ça finit pas leur famille. Belgique. Mais c'est de l'aise. Mon mari, moi, m'a trouvé. Quand j'ai dormi, mon mari. Quand j'ai mangé, mon mari. Qu'est-ce que j'ai fait? Même j'ai fait caca. Je suis avec mon mari. J'ai fait des pipis. Je suis avec mon mari. Il est fier. La Guinée, drapeau rouge, zone vert. Et mon peuple aussi, mon fan de Guinée, je ne peux pas dire tout le peuple guinéen, mais je peux dire mon fan. Et aussi, ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Ils sont pleurs. Ils sont de l'heure. Parce qu'ils reçoivent mon douleur. Ils reçoivent mon pleurer. Donc aujourd'hui, il n'est pas là. Mais quand je suis allée, depuis samedi passé, on a enterré. Et puis moi, je suis dans le cimetière. J'ai tout regardé, tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, je suis allée aussi pour les mettre les murs, les carreaux. J'ai payé. Mon moyen, mon argent qui est dans mon sac, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais heureuse? C'est ça qu'aujourd'hui j'ai payé à ça. Et pourtant, j'ai défendu mon pays, le drapeau rouge mondial, international. Mais quand mon mari est mort, j'ai tout compris, les Guinéens, comment on est, les pays.
Avant, il me parle tout le temps. Il me dit, Ma, le jour quand j'ai mort, tu me fais enterrer l'Afrique. Mais quand il me parle ça, moi je dis, arrête, tais-toi, que tu te parles. Ça me fait mal. Mais il me parle sérieusement. Mais moi j'ai pensé, c'est blague. Mais non, je n'ai pas pensé blague. Je sais, fond de moi. Donc j'ai amené mon mari, mon pays, drapeau rouge et vert, vacances avec moi. Après quelque chose, ça tombe. Je dirais, seul Dieu, il a fait tomber. Il n'a pas notre personne. J'écoutais vous, chaque minute, qui il parle de briser de M. Philippe et qui parle de l'argent de Philippe et qui parle comment je suis maintenant et qui parle comment je vais sortir et qui parle. J'écoute tout. Mais moi, je l'aimais, mon mari, c'est pas l'argent. Je n'ai jamais aimé mon mari. L'argent, je ne demande pas à mon mari, donne-moi ça, donne-moi ça. Moi, j'ai fier. Qu'est-ce que j'ai attrapé? Ma mère, et j'ai fier. Mon peuple guinéen, drapeau rouge, zone vert. C'est pas l'argent que je compte. Ce n'est pas le blisé que je compte. Et qui part, et le blanc il est parti, c'est vous qui l'êtes parti. Blanc il n'est pas parti devant le blanc, noir et blanc, il est devant vous. Le blanc il n'est pas parti, il est devant vous. Moi, mon mari, j'ai demandé à Dieu, Ndalmarigi sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'il a besoin de moi, moi m'attourer. Je vais rentrer comme j'ai vu mon mari dans mon bras, comme il a décédé dans mon bras, comme il dormit, comme il nage, comme j'ai regardé, comme j'ai vu. Il n'a pas de défaut. Et là, j'ai demandé Dieu, Ndalmarigi sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'il a besoin de moi, il va me passer comme mon mari. Et puis je veux, il va me enterrer les terres que j'ai achetées propre, mon argent de mariage. De Guinée, voulez m'en faire honte. La Guinée-Conakry drapeau rouge et vert, vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait de pleurer, vous m'avez fait de honte. Mais ce n'est pas tout le monde. Et qui sont dit, ils sont payés la terre où on déposait mon mari. Il a dit à moi, ministre, les Guinéens, le peuple des Guinéens, il prend en charge mon mari des cimetières. Et le ministre qui est là aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il a donné les artistes, tout l'artiste, c'est lui qui le chef des pays. Pour l'artiste, pour aide. Mon mari, il est mort, même pas de police. Mon mari, il est mort, même pas de sécurité. Et pourtant, Mamadi Doumbouya, tu es là, le pays, tu sais tout ce qui se passe. Mais tu as montré, je suis petit. Mamadi Doumbouya, je te parle, tu m'écoutes. Et pourtant, le monsieur qui est mort, notre territoire, à son territoire, elle est mariée. Hein? C'est pas une. C'est n'importe qui. Il travaille des ministères en France. Il a construit en France. Il vivait, il a donné le cœur. Le Guinée, drapeau rouge et vert, Mamadi Doumbouya.
Tu es aujourd'hui dans mon territoire. Dieu te donnerait pouvoir. Dieu te donnait tout. Mais mon mari, il est mort. Je n'ai rien compris. Moi seule, une femme combattante, une seule femme, moi, ma Touré. Mon mari, il est malade. J'ai mis à l'hôpital, moi seule, avec mon gardien. J'ai amené mon mari à l'hôpital. Les grands hôpitaux, il me dit, ils ne sont pas de travailler. Il m'a amené à l'hôpital qui il n'est pas juste. La Guinée-Drapeau rouge et vert. Mon mari, il est mort sur mon cœur, comme ça. Dans un hôpital guinéen de Birka. Et les gens qui étaient avec moi, ils sont dit, État guinéen, elle a pris en charge mon mariage pour faire enterrer mon mari. La terre s'est payée, tout. Et aujourd'hui, c'est là que je suis partie. J'ai tout découvert. L'argent, tout ce qui est rentré à moi, qui l'a géré, ma sœur et commandant, la personne que je parle, mon manager, et qui l'a géré internement mon mariage, mon mari. Et ils sont dit à moi, ah, mais trop tranquille. Et puis je parlais aussi à quelqu'un d'un téléphone. C'est lui qui, et il s'appelle, comment s'appelle le monsieur là? Et c'est lui qui est le ministre des coutumes guinéennes pour les artistes. Et Haribo, je ne sais pas, quand j'ai parlé à son nom, je pense que vous l'entendrez tout de suite. Haribo, c'est lui qui, il est la Guinée pour aide. Elle m'a menti tout. Tout l'argent qu'il a payé. Moi, je suis en deuil. J'ai récupéré l'argent qu'il a déposé, 200 euros, 2 millions de francs guinéens. J'ai demandé à mon manager, commandant Toulouse, commandant Sangarid. Et j'ai demandé ma sœur. Moi, je suis content un seul à ma sœur. Un seul songe que je suis content à ma sœur. Bleu-guerre. Ma sœur, la Guinée, Conakry, drapeau rouge, zone vert. Quand mon mari, il a décidé. C'est lui, il est là. Il vient, il amène, il dit, je vais parler là ça, je vais parler ça. Je parlerai à quelqu'un qui est en haut. À son nom, je ne connais pas tout à fait son nom, mais je vais dire là bientôt. Haribo, Garibo de quoi et quoi. Et j'ai appelé quelqu'un, il va me dire les noms tout de suite. Pour que je vais me libérer. La terre, tout le monde. Je vais appeler, si j'ai la chance, elle va répondre. J'appelle maintenant. Ok, ça sonne.
S'il la raccroche, c'est bon parce que c'est la Guinée, drapeau rouge vert 224. On ne connaît pas comme le pays du commun. Après là que tu veux comprendre que si ça passe. Il est sur moto quand même, elle m'a dit. C'est lui, il est mon chauffeur, c'est lui, il est occupé bien à moi, la Guinée, drapeau rouge vert. J'appelle mon père, mais c'est pas mon père. C'est le nom, il s'appelait Boubacar. Désolé, votre appel ne peut être traité. Veuillez réessayer plus tard. Ok. Donc, Massour avait commandant. Il me dit, état de Guinée, non? Ministre de quoi et quoi, ils sont tous, ils sont prêts pour moi, pour enterrer mon mari, les cimetières, tout s'est payé, tout, il me dit. Mais moi, je suis allée aujourd'hui. Parce que moi, je l'aime, mon mari. Et on dort ensemble, on mange ensemble, toujours là avec moi. Hein. Je regarde, je pars. Et puis des fois, quand je suis fâchée, il me dit, mais pourquoi tu fâches? Et quand j'ai énervé, il me dit, mais arrête de fâcher. Tu m'as parlé avant, comme ça. Et maintenant, je suis là. Il est là. Il est devant vous. Mais seulement, il est là. Et lui, il est content à l'heure là. Parce que qu'est-ce qu'il veut à ce monde, c'est ça, aujourd'hui je suis devant vous. Il est heureux pour vous que je parle. Qu'est-ce que mal, je veux dire, le monde. Il me dit tout, c'est payé, bla 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 bla, tout c'est payé, bla 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 bla. Moi je connais l'hôpital, arrivé au Conakry, c'est moi qui ai tout payé. Moi je n'ai pas demandé les Guinéens, hein? Quelque chose. Mais si je travaille, le pays, le peuple guinéen, j'ai des cartes baisées, j'ai tout. Je pensais que quand mon mari va mourir, mon drapeau rouge et vert, je pensais que les gens, ils vont comprendre quelque chose, quelqu'un important, il est parti, mais on va mourir tous. Est-ce que vous croyez? On va mourir tous. Personne ne va rester sur terre. Là que j'ai découvert depuis. J'ai devenu folie devant vous. J'ai devenu une autre personne devant vous. Mais vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas de savoir. Vous n'arrivez pas à comprendre. Mon folie, ça quitte où? Alors c'est là, c'est ça, la mort. La mort, la terre. C'est ça que j'ai découvert. J'ai devenu une autre personne sur terre. Je ne supporte pas. Mais une seule personne qui l'a supporté, mon monde, c'est lui. Il est dormi aujourd'hui. Il est sur étoile. Il est sur planète. Et il est à côté de moi, tout de suite. Like, on dit, quand tu fais des biens, les biens qu'il arrive toi. Quand tu fais des mal, les mal qu'il arrive. Moi, les façons, je ne crois pas toute ma vie, je vais trouver quelqu'un, elle est déjà mort. J'ai mis de l'eau fraîche donnée quand je devais. Quand j'ai mis de l'eau, je donne, respire. Il est libre. Il est heureuse. Il sourit. Je ne sais pas pourquoi il rigolait. J'ai demandé pourquoi mon mari rigolait. Quand il dormait, il rigolait. J'ai fait des 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je n'ai jamais vu. Quand il dormit, il est vraiment bien. Mais je ne peux pas penser ça parce que c'est ça que Dieu l'a dit. On peut connaître tout, mais on ne peut pas connaître la mort. Parce que sinon, moi, mon Deleuze, moi, mon mari, il ne mourut pas devant moi. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas arrivé
sauver ma mère. Je n'ai pas arrivé à sauver ma grand-mère. Je n'ai pas arrivé à sauver mon grand-père. Je n'ai pas arrivé, et qui sont partis, je ne peux pas arriver à sauver. Donc, je sais, je ne peux pas sauver mon mari. Je peux sauver médicaments, tradition, médicaments et hôpital. Je vais sauver. Mais à part de ça, je n'ai pas. Ça, j'ai déjà dit, déjà parlé plusieurs fois. Personne ne l'a dit. J'ai chanté une chanson pour tout le monde. Personne sur terre ne l'a dit. J'ai appelé une autre personne pour vous qui me dit, le monsieur là, parce que moi j'adore la vérité. On dit la vérité, non? Toujours la vérité. Ah. Désolé. Ah. Votre correspondant ne peut être joint en ce moment. Ok. Veuillez réessayer plus tard. Ok. Je te respecte. Et puis je vais voir parce que je veux appeler encore pour vous qui. J'adore parler comme ça. Parce que mon mari me dit toujours, il ne faut jamais bousiller. Bousiller, italiano, jamais mentir. Il faut parler la vérité. La vérité comme le feu. La vérité comme le diable. La vérité, personne n'aime. Mais et qui le croit de Dieu. Et qui... Papa, oui, excusez-moi. Je vais savoir le monsieur qui l'a dit à moi, il a occupé de mon mari, des cimetières, tout. Il faut me dire le nom. Haricot Bal, son nom c'est comment? Haricot, non papa, dis-moi le nom. Ok, Baili Haricot. Barli Aligo. Baldi. Haricot. Ok papa. Merci. Adieu. Exactement, c'est ça. Donc, ils sont dit. Baldi Aligo, elle a payé tout. Mais ma souris connaît où est l'argent. Et commandant, il connaît. Commandant Toulouse, où est l'argent? Baldi Aligo, elle a payé le cimetière de mon mari à son terre. En Garoué, mon temps de rouler, il fallait faute. Tu peux pas me faire honte, les blancs. Faut me dire. L'argent qu'il voulait m'a dit, voulait déjà enterrer mon mari. Les terres, c'est de tous ces pays. Vous m'avez tout dit. Et donc, aujourd'hui, je suis allée. Rien qu'il est payé. Rien qu'il est payé. Et pourtant, vous le m'avez dit. Ma sœur, commandant Toulouse, Sangaride, vous le m'avez dit. C'est lui qui l'a dit. Je suis à son manager. Je suis manager. Lui, il m'aide. C'est lui que je parle maintenant. Où est les terres? Parce que moi, je parle tout de Belgique. Ambassade. Ministère. Je parle de tous les France. De dire, c'est payé à Aldi Baligo, c'est quoi? Quoi et quoi? Je ne connais pas même pas. Je vais savoir où est l'argent. Et moi, j'ai découvert aujourd'hui, la terre, elle n'a pas payé. Et je payerai. Moi, j'ai payé ma tour, déjà payé. J'ai payé de mon sang. J'ai payé de la. Tout ce qui va construire mon mari. Pour donner à son soto dans son Dieu. Donc, vous m'avez menti. Tout l'argent qu'il est rentré, vous l'avez mangé. Je ne suis pas allé à l'école, mais je vais étudier un petit peu. Moi, je pleure. Parce que l'amour, la mort. Mon mari, je l'aime. Et je l'aime. Les gens se sont dit, je suis fou. Les gens se sont dit, je suis bête. Les gens disent, je suis pute. Les gens disent, comme il veut. Mais moi, j'ai respecté ça, mon mariage. Ce n'est pas de bas-côté, hein? C'est de l'or. Vous m'avez menti. Et puis moi, je parlerai de lui. Parlerai à l'ambassade. Ouais!
C'est les ministres, les pays. C'est ça, c'est ça. Vous m'avez menti. Vous me dites, tout c'est payé, rien qui paye. Moi, mon maison, c'est moi qui paye. Mon essence, c'est moi qui paye. Mon nourriture, ma vie. Qui peut me parler? Commandant Toulouse, je t'attends de France. On va juger ça. C'est clair. Ma sœur, je ne te condamne pas. Je ne peux pas parler gros de choses de toi. Tu as fait exactement. Tu m'as montré exactement tu es là. Tu m'as montré. Mais je veux savoir où est l'argent. Il a quitté, il est parti. L'argent que j'ai reçu, les peuples guinéens, des ministres, de quoi et quoi. L'argent qui vous, tout ce qui s'est perdu, vous le m'a dit. Nigena flama sosoui. Je vais dire français d'abord. L'argent que vous m'a dit, c'est payer les terres. Et quoi? Où est l'argent? Où t'as vu de vous le falloir? Où vous voulez faire la faute? N'arrête les ramali. Où comme ils voulaient entendre? Où falambe? Barigo de abi quoi? Barigo de quoi quoi? De quoi quoi les ministres? Mamadi Doumbouya, tu m'as minimisé trop propre de mon territoire, Mamadi Doumbouya. Toi, tu es là aujourd'hui, mais faux genoux, accord de Dieu. Mamadi Doumbouya, je parle le président, le pays, même pas peur, même pas de balles. Faut mettre des balles pour vous que je veux libérer. Je vais aller au cimetière avec mon mari. Mais Mamadi Doumbouya, tu m'as déçu. Quelqu'un qui l'a aimé, votre pays, il a donné des étoiles. Vous m'avez fait mal. L'argent que je gagnerai, ils sont mangés. Il n'y a personne là vers moi. Mais moi, je suis avec le Dieu. Mamadi Doumbouya, j'ai parlé les mondiaux, les pays pour que les sang. Et ne voulait pas le pays. Maman dit, j'ai parlé pour toi. J'étais défendu des peuples. C'est le message de Dieu. Et je te donne tout. Mais j'ai pleuré devant toi. Je suis déçu. Maman dit, Doumbouya. L'argent qu'il a payé, où il va enterrer mon mari. Tout s'est mangé, tout s'est voulu. Il m'a manipulé. Il m'a dégagé. Commandant, à sa femme, à sa maison. Quand mon mari, le jour-là, j'ai amené mon mari à l'hôpital. Le temps que je suis arrivée, mon mari est vivant. Et puis là que mon mari a décédé, hôpital. Et moi j'ai dit, je vais savoir quelle maladie il a tué mon mari. Moi, mon mari, c'est moi qui est mort. C'est moi, je suis mort. Mais on va aller un jour devant des crânes de Dieu. C'est un message lourd. Mamadi Doumbouya, je t'ai défendu dans mon territoire. Ton lettre, de ton message, devenez quelqu'un aujourd'hui de pays. Voilà, moi, je suis là. Il y a beaucoup de choses que je vais te dire, mais si tu ne viens pas, je te regarderai ton monde. Mais tu m'as déçu. Demain, prends les militaires, va me tuer, hein. Mamadi Doumbouya, je te parle sérieusement. Il faut me tuer maintenant. Ça m'a fait plaisir. Mais tu n'as pas bien fait.
Commandant, toi tu connais comment je vivais en France. Commandant Toulouse. Mais je t'attendrai à Europe. Toi et moi, on va parler devant des crans. Et je dis la vérité, tout. Tout la vérité devant des blancs. C'est mieux, il faut faire me tuer à Sangaridi, c'est mieux. Je vais aller au cimetière avec mon mari. Ma soeur, je te regarderai, tu as bien fait. Mais l'argent que tu as, retourne. Philippe te regarde. Faut pas manger, hein. Si tu manges, c'est pas bon pour toi. Je ne suis pas venue ici parce que je suis pauvre. Moi, mon mari m'a aimé. Il m'a aimé, il a aimé drapeau rouge ou vert. Regardez pourquoi le pays n'a pas gagné. Parce que le pays ne peut pas gagner. Parce que vous m'avez fait pleurer. Vous m'avez fait de honte. Vous m'avez fait de pleurer. Mais c'est le pays qui a honte. Le pays qui le pleurerait un jour. Je ne suis pas venue ici pour ramasser des voleurs, les gens. Je suis venue avec mon argent. Mon mari, il est fier de moi. Et moi aussi, je suis fier. Monsieur Philippe Deleuze, il est né au Congo. Sa maman, elle est belge. Son père, il est belge. Il travaille en France. Ministère. Maman dit Doumbouya, tu es où? Et pourtant, ta femme, il est français, non? Mais ta femme, il connaît qui est, monsieur Deleuze. Ministère, il sait qui est. Tu m'as fait une vie de pauvre. Il est malheureux. Il y a ma histoire. Il y a ma vie. Il n'a rien à voir. Dieu. On va mourir tous, c'est pas ça? Même pas peur. L'argent que j'ai gagné, et vous la mangez aussi. Commandant, t'as dit à moi, tout c'est payé. Et puis tu m'as dit aussi, ma sœur, les jours d'enterrer mon mari, tu me donnais 100 euros. Ma sœur va rendre de l'argent, mais il n'a pas me donné. Et puis aujourd'hui que je suis allée, j'ai découvert tout, mon mari. Voilà l'imanatina, dans le mari, sallallahu alayhi wa sallam. On a rangambera, on a maka, on a rangambera, on a rangambera, moi, mon mari, il a déjà, il sait à son monde. Chaque fois qu'elle me parle, elle me dit, mon bébé, je dis oui. Le jour que j'ai mort, déjà, je suis allée au Congo. Hein. Quand j'ai mouru, parce que j'étais mariée, je vais, le Guinée, il va m'enterrer à moi. Moi, je dis, tais-toi! Qu'est-ce que tu parles? Arrête! Mais je n'ai pas réfléchi trop. Je n'ai pas pensé trop. Maman n'y a rien de naki. Maman et soeur n'y a rien de naki. Quand ma mère m'a dit, Anna a verti une affalambe. Anna a dégué, Anna a yéle, Anna a berema. Anna a rien de faire alors qu'on aurait. Il n'a gâté mes ratés, toi, maintenant tu as bague ça en blanc. Khema na ragu. Khema. Et puis les jours de date, tout s'est écrit. Donc, maintenant, je suis là pour parler un peu des choses. Je m'arrête. Parce qu'il m'a dit stop. Il m'a dit je vais arrêter maintenant. Mais moi, je n'ai pas fatigué de construire mon maison de mon mari. Et de là, je suis prêt. Je suis allée aujourd'hui. J'ai payé. J'ai tout fait. Demain, il va mettre des ciments. Carreau, les noms, tout ça, j'ai payé moi ma tournée.
Ça, aller zingarer à quelqu'un, voilà, c'est comme ça. Mais Mamadi Doumbouya, tu as perdu. Iba perdu. Mamadi Doumbouya, je vais répéter, tu as perdu. Quelqu'un qui l'a tombé, ton pays, République de Guinée, drapeau rouge, jaune, vert. Toi, tu ne sais pas, Matoura, son mari, il est mort. La femme qui te parlait, le monde international. Il a dit ton nom, il a dit ton taille, il a dit tout. Comment tu vas arriver? Le pays. Moi, mon mari, il est mort, Mamadi Doumbouya. Toi, tu as assis à ça. Mon petit frère, mon grand frère, bonne chance. Demain, sachez ton militaire va mettre des balles dans mon cerveau, ok? Mamadi Doumbouya. Les Guinéens, je veux dire, le monde international. Quand j'ai mort, c'est les Guinéens qui m'ont tué, ok? Mon mari, il est mort naturel. Il est mort parce qu'il est tombé malade vendredi matin. Il a réveillé des choses graves. Quand il m'a dit directement, moi j'ai compris directement mon passage. Si tu es passé, les routes là, faut bien attacher pour que tu puisses rester sur terre. Sinon, ce n'est pas possible. Quand il m'a parlé, je ne comprends rien. J'ai pensé, c'est des fièvres. J'ai dit, on va aller à l'hôpital. J'ai tout fait. Il va avec moi à l'hôpital. Elle a dit, non, ça va, mon bébé. Moi, j'ai dit, mon bébé, tu sais, je t'aime. Il m'a dit, oui, moi aussi, je t'aime. Après samedi, toujours des fièvres, ça monte. Moi, j'ai dit, mon bébé, on va aller. Hôpital, s'il vous plaît, j'ai tout fait pour vous qu'on va à l'hôpital. Elle m'a dit non. Mais comme elle le sait, à son mort, parce qu'il ne veut pas de l'argent qu'il y a avec moi pour dépenser, parce que si tout dépenser ça, peut-être c'est ça, qu'est-ce que je vais penser, mon monde? Donc elle me dit non. Dimanche, elle est bien, mon amour. Elle a préparé café pour moi dimanche. Il m'a donné café. Et je parle avec lui. Et puis j'ai préparé, c'est moi qui prépare manger. J'ai fait nourriture. Il mange pas sans moi. On mange ensemble. On a mangé. On a dormi. Dimanche, la nuit, je trouverai fièvre. Ça a commencé de sang. Parce qu'il m'a dit, il a pris des médicaments malaria. Donc moi, j'ai fier lui. Parce que lui, pour moi, c'est ma mère. Pour moi, c'est mon père. Pour moi, c'est ma famille. Et Mohamed. Non, désolé, j'ai pleuré un petit peu, mon bébé. C'est normal, j'ai pleuré un peu. Laisse-moi. Non, laisse-moi. Non, mon bébé. Non, laisse-moi parler un peu. Il m'a donné café. Et j'ai pensé tout va bien. Et puis, lundi, j'ai dormi. Mais un jour, je parlerai un peu de choses. Ça m'a fait libérer mon monde. Lundi, il a préparé le café. J'ai dormi, parce qu'on a dormi dimanche, la nuit. J'ai trouvé la température, elle a descendu. Moi, j'ai pensé, tout va bien. Je n'ai pas pensé autrement. Dieu m'a fait oublier. C'est là que j'ai dit, humain, il ne peut pas réveiller quelqu'un, parce qu'on est tous quoi? Animal. Animaux. Thank you.
Il me donne un café. Et puis, mais moi, j'ai dormi dimanche matin, c'est lundi. J'ai dormi bien parce que là, j'ai vu, moi, je ne dors pas la nuit. J'ai mis de l'eau, j'ai fait des biens parce que je l'aime, mon mari. Et je suis prêt pour tout. Mais Dieu l'a dit non. Matro, tu peux rien faire. Lundi matin, j'ai dormi fort. Et puis lui, il a rêvé, il a lavé le bien. Et puis, moi, je suis réveillée. Quand j'ai rêvé, directement, j'ai dit, mon bébé! Il me dit, oui, je suis là, je suis dehors. J'ai dit, ah, tu es là? Tu es réveillée? Il a dit, oui. Il a dit, lui-même, il m'a demandé, mon bébé, tu veux du café? J'ai dit, oui. Il a dit, après, j'ai pris, comment il me dit, je veux du café? Il a dit, oui. Et moi, j'allais chercher du café de cuisine. Moi, j'ai pris du café. Et puis, je suis venue à côté. Mais quand je suis sortie de la porte, j'ai regardé mon mari. Je trouverais vraiment, il brille trop. Il est trop étoile, trop. C'est trop fort. Il est nage. Marie, on a passé des années. J'ai trouvé les jours, elle nage. Et puis, j'ai dit, mon bébé, il a dit oui. Il a dit, ah, tu es mal 2 jours. Regarde comment tu es aujourd'hui. Tu es brillant. Tu es beau. Et lui n'a pas parlé. Et puis, je viens, j'assis. Je prends mon café. Puis... Mais quand il a quitté, il a bougé pour aller dans une pièce. Et là, je commençais à regarder parce que j'ai trouvé c'est trop flagrant. C'est trop fort pour moi-même. Je n'ai pas imaginé ça. C'est trop lumière. Je dis, mais qu'est-ce que je vois comme ça? Et là, il m'a laissé. Et puis Dieu m'a fait oublier vite parce qu'il ne veut pas. Je sens mal. Et puis il est rentré. Il m'a dit, il va aller chercher de l'eau. Et puis là, il est sorti. J'ai passé la bâtie, sorti dehors pour dire à moi, amène-moi à l'hôpital. Et pourtant, moi, j'ai tout battu pour que j'amène à l'hôpital. Depuis de vendredi, depuis quand il m'a dit à son rêve, j'ai dit, je vais amener toi à l'hôpital. Je ne vais pas te laisser, je vais t'amener mon bébé. Il a dit, non, il ne faut pas inquiéter, tout va bien. Ah, dans le mari, sallallahu alayhi wa sallam. Mon bébé, tu veux reposer en paix, je sais. Laisse-moi pleurer un peu. Si je n'ai pas pleuré, j'ai pleuré qui? Quel homme ma vie? Moi-même, ma mère, ma famille. Mais il me dit, il est mort, mais il n'est pas mort. Il me dit ça. Je lui dis le peuple. Il n'est pas mort. Et là qu'il est sorti avec le verre. Et tremblait, le tremblait. Je suis venue, j'ai pris mon mari, moi, comme homme. Il n'est pas le homme là-bas, parce que j'ai comme sonné. Là, il y a un homme seul qui l'a assis. Quand il a dit, je trouverai, moi j'ai enlevé, force maintenant, aller courir pour attraper maintenant. Qu'est-ce que ça passe? Homme qui j'ai passé des années. Je n'ai jamais vu, il est malade. Quand il a mal tête un peu, et puis ça passe. Mais il me parle tout le temps, le jour qu'il est mort, on va enterrer l'Afrique. Mais moi, je n'ai pas considéré. Ça passait pour moi comme un passage, comme un rêve. Je ne comprends rien. Parce que je l'aime, je n'ai pas pensé quand je vois mon bébé devant moi. Quand j'ai vu mon amour devant moi, avec mes cheveux, je fais tresse. Dieu m'a fait pleurer. Mon tétoire.
après, j'ai pris, j'ai déposé le siège, elle me dit, tout va bien encore. Et puis, un coup, elle a guéri, un coup, elle m'a dit, mon bébé, je me sens bien maintenant. Je vais aller porter les chaussures, on va aller à l'hôpital. Moi, j'ai dit, ok. Et puis, il est rentré. Comme il me dit, parce que toujours, il ne me laissait pas. Il me dit, non, comme quelqu'un qui ne veut pas, je sais. Il ne veut pas, je sens. Parce qu'il sait, je sens. Mais il me poussait un peu pour que je ne peux pas comprendre. Il a dit, mon bébé, je vais aller porter les chaussures. Moi, j'ai dit, ok, mon amour, tu sais, je t'aime. Il m'a dit, moi, je t'aime beaucoup. Mais tout le temps, il me regarde. Il me dit, je suis belle, je suis jolie. Il me dit à moi. Après, il a rentré, porté les chaussures. Il a duré un peu. Parce que j'ai contrôlé comme les yeux qui pleurent maintenant. Devant vous. Personne ne m'a vu, je pleure. Personne. Mon monde international. Et si je pleure, c'est pas bon. Après, quand il a duré un peu, j'ai dit, mon bébé, chérie, et j'entends son voix, ça a commencé à descendre. Calmer un peu. Et puis, je suis debout et je couris aller voir qu'est-ce que ça passe. Et là, que je trouverai, il est assis, le holi, il veut porter les chaussures, il n'arrive plus. Et là, j'ai mis les chaussures. Moi, j'ai dit, mon bébé, attends, je suis là. J'ai mis les chaussures, j'ai mis les chaussures. Il dit, mon bébé, lève-toi, on va aller. Et il n'arrive plus. Il a déjà commencé. Mais il parle avec moi. Il me montre que tout va bien, mais non, c'est pas là. Et là que j'ai pris comme homme, j'ai mis sur moi pour venir dehors, pour monter dans la voiture. Il est arrivé à l'hôpital, il est vivant tout. Et puis, il est descendu, il est vivant, mon mari. Et j'ai mis dans l'hôpital, j'ai mis sur moi avec mon souffert. Lui, il est là avec moi. On a tenu, il a mis des médicaments, on met de l'eau. On caresse, on met de l'eau. Mais quand j'ai mis de l'eau, son corps, il fait... Quand j'ai mis de l'eau, après, là qu'il est mort, moi, je ne sais pas s'il est mort. Moi, j'ai pensé dormi. Et là que c'est tout s'arrêté. Tout s'arrêté, tout s'arrêté. Mais quand tu vois, il dormit comme un ange. Ouais. Et là que ça m'a donné courage. Qui sur terre il peut me faire pleurer? C'est lui. Mais commandant Sangaré, Toulouse, Massou, tout ce que vous m'a dit, rien de la vérité. Mirogumbi, ah, Bokira Boulou. Je parle. Monsieur Deleuze, il est un grand quelqu'un, important, grand. Il a aimé moi. Une femme guinéenne, drapeau rouge ou vert. Qu'est-ce qu'il parle à moi? Le jour que j'ai mort, il faut m'enterrer en Afrique. Moi, j'ai passé black. Et c'est ça que ça a devenu la vérité devant moi. Ça veut dire, lui, il connaît, les jours sont morts, il sait tout, moi, je ne sais rien. J'ai pas écouté quand il a dit le jour il va mourir. Moi j'ai pensé quand on est des vieilles, vieux, après on mourirait et puis voilà. On a fini notre temps, on a fini passer notre monde. Après il va mourir.
Après, moi aussi, j'ai mouru. Et puis, il va enterrer nous tous où il est mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai pris terre. Et je suis des chrétiens, musulmans, je suis tout dedans. Mon mari, il a tout. J'ai pris des terres avec les prêtres. On a tout fait. J'ai jeté des terres. Mère, fils, on a fait tout. Je suis là. D'accord, j'ai parlé à Mamadi dit Doumbouya. Écoute-moi bien. Je pense que ta femme, il t'écoute. Il écoute maintenant ta femme, il m'écoute. Il est français, non? Monsieur Philippe, il travaillait à son propre, à son territoire, en France, ministère. Alors, votre politique, votre manipulation, bonne chance. Je laisserai commandant Sangaré de Toulouse. Je t'écoute, tu m'as menti. Il voulait faire la mer, commandant Sangaré, il voulait. Et mon enfant, quand il y a Guinée, il y a un fou de moi, commandant Sangaré. Commandant Toulouse, il y a un Guinée, il y a un fou de moi. Et pourtant, il t'a dit que le foot est là, il y a que ma vie qui n'a rien. Et profite ma mère à faire un foot de moi, et à guiner un foot de moi. N'aïa pas, mais la dunia bien grande.